Excusez-moi, mais j'ai reçu un texto et c'est énorme. Déclaration en direct, le texto que tu vas recevoir une fois dans ta vie. Le truc de malade. Bon, je peux vous le lire? Oh, c'est bon, j'ai cru que je l'avais effacé par erreur, mais il était sorti de mon écran. Bon, écoutez-moi bien le texto. Salut toi. Salut qui? Salut toi. On te pointe du doigt, on franchit le seuil dans l'intimité. Salut toi, virgule. Comme par hasard, virgule. Pas de point dans la figure, ni de barre espace, non. Virgule. Et c'est pas fini. Comment vas-tu? Et voilà, c'est tout. Bon, je vais répondre un petit truc tout de suite, comme ça on continue. Quoique, pas tout de suite, quand même. Sinon le gars va croire que je suis folle de lui. Non, j'attends. 1 heure, c'est bien. Bon, alors il est 42. Bah, j'envoie 52. Ou alors, je l'enregistre comme brouillon et je l'envoie après spectacle. En fait, j'avais envie de répondre à un petit truc en espagnol. Ça fait la fille qui fait la fête, qui est hyper détendue. Hola et guapo, ¿qué tal? C'est bien? C'est bien ça? Non, ça marche. Ça marche à l'oral avec l'accent. Là, il n'y a pas de charme, il n'y a pas les castagnettes. Non, mais je veux pas brûler cette cartouche. Je voudrais pas me planter. Parce que si j'envoie un texto maintenant, je pourrais jamais en envoyer un après le spectacle. On n'envoie jamais 2 textos si pas de réponse entre les 2. Ça fait trop désespérer. On n'en est pas là. Je réponds pas non plus. Ça, c'est classe aussi. Je lui envoie pas de texto. Et je vais l'appeler, c'est mieux. Oui, c'est moi. En fait, je voulais te dire que j'ai bien eu ton message. Je vais bien. On se rappelle. Voili voilou. Non, c'est pas moi qui dis. C'est une copine. Nathalie, arrête de dire voili voilou avec ma voix. De toute façon, je te laisse. Parce que je suis avec des gens et on bosse. Enfin, je t'embrasse. Enfin non, je te connais pas. Alors je te tape dans le dos.